Hallelujah. Hallelujah. Amen. Why not lift your victorious hands to heaven once again? Élevez vos mains glorieuses vers le ciel une fois de plus. Appréciez-le. To his house this morning. Car il vous emmène dans sa maison ce matin. Appreciate him for the first service. Appréciez-le pour le premier service. Appreciate him for the devil testimonies. Appréciez-le pour les témoignages. Appreciate him for bringing you to this second service. Appréciez-le car il vous a emmené en ce deuxième service. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We celebrate. Père, nous te remercions au nom de Jésus. That we thank you for the first service. Père, nous te remercions pour le premier service. We thank you for the devil testimonies. Merci pour les témoignages. And we thank you for this second service. Et nous te remercions pour ce second service. Lord, we celebrate you. Seigneur, nous te célébrons. Blessed be the name. Béni soit ton nom. Now begin to ask the Lord. Maintenant, demandez à l'Éternel de faire de ce deuxième service ton service. Lord, give me an encounter. Seigneur, donne-moi une rencontre. This generational causes breaking service. En ce service qui va, où on va briser Father, les malédictions générationnelles. Donne-moi une rencontre. Give me an encounter. Donne-moi une rencontre. Lord, I desire an encounter in the course of this service. Seigneur, je désire une rencontre au cours de ce service. Send me your word. Envoie ta parole. Let your word locate me, Lord. Que ta parole me localise, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. Blessed be the name. Béni soit ton nom. In Jesus' most glorious name. We have prayed. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Daddy, we are grateful unto you for that awesome time, this second service. Papa, nous sommes reconnaissants pour ce temps passé en ce deuxième service. We thank you, Lord, for the manifestation of the Spirit in first service. Nous te remercions pour la manifestation de l'Esprit au premier service. Sweet and lovely Holy Spirit of God, the chief custodian of the church. Doux Saint-Esprit de l'Éternel et commandant de l'Église. We are set again. Nous sommes prêts encore. Cause us to hear you. Fais que nous t'écoutions. Manifest your glory in us. Manifeste ta gloire en nous. Reveal Jesus again. Révèle encore Jésus. Meet us as individuals this morning. Bénis-nous en tant qu'individus ce matin. And we vow to return the glory to the Father. Et nous faisons le vœu de retourner la gloire au Père. I decrease, lovely Holy Spirit. Père, je me réduis. For you alone to be seen. Je m'abaisse afin que toi seul sois visible. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Dis amen. Amen. Hallelujah. Amen. Give the Lord a big clap offering once again. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. As you comfortably have your seat. Et asseyez-vous confortablement. On behalf of Jesus Christ, the owner of the church. De la part de Jésus-Christ, le chef de l'Église. I welcome you to this special service. Je vous souhaite la bienvenue à ce service spécial. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. I have the honor and privilege to bring us the word of God this morning. J'ai le privilège de nous apporter la parole de Dieu. In this second service. En ce deuxième service. Remember our prophetic focus for the month. Souvenez-vous que le thème prophétique du mois. I will not leave you helpless. Je ne te laisserai pas impuissant. John chapter 14 verse 16 or 18. Jean 14, 16 à 18. This is Jesus speaking to you and I. Jésus te parlant et me parlant. And giving all the promise and the assurance of the Holy Ghost. Faisant la promesse et l'assurance du Saint-Esprit. Jesus, be part of Trinity. Jésus faisant partie de la Trinité could not do that much ne pouvait pas faire grand-chose until he was endued with the Holy Spirit. Jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. In his first 30 years of his earthly life. Durant les premières 30 années de sa vie terrestre. All we knew about him. Tout ce dont on savait le was concernant. Going to the temple. Tout ce qu'on savait le concernant, c'était listening to the teachers, c'est qu'il allait au temple et qu'il écoutait les enseignants asking questions, et qu'il posait des questions. And all they said, he was walking in a divine wisdom. Et ce qu'on disait, c'est qu'il marchait dans la sagesse divine. Nothing was known about him that much. Il n'y avait rien d'autre. Until Luke chapter 4, Matthew chapter 4, either of them. Jusqu'à Luc 4. After Jesus
have gone through the wilderness. Après que Jésus ne soit passé par le désert. Being led by the Holy Spirit. Étant conduit par le Saint-Esprit. And he was endued in the Spirit. Et il était revêtu de l'Esprit. Before his arrival. Avant son arrivée. His fame has gone far beyond wildest imagination. Sa renommée s'est répandue. Hallelujah. Amen. So Jesus' fame began to go ahead of him. Donc le nom de Jésus a commencé à le précéder. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. So Jesus. Donc Jésus. Could not do much. Ne pouvait pas faire grand chose. Until he was endued in the Holy Spirit. Jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acts chapter 10 verse 38. Acte 10 38. How God anointed Jesus Christ of Nazareth. Nous savons tous comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. With Holy Ghost and with power. Du Saint-Esprit et de puissance. So one under the sound of my voice. Personne au son de ma voix. By the power of the Lord coming upon you today. Par la puissance du Seigneur qui descend sur vous. Where you have not been. Là où vous n'avez pas été. They will speak good of you. On parlera du bien de vous. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Daniel chapter 5. Daniel 5. Even while Daniel was away. Même quand Daniel n'était pas là. A woman called Belshazzar. Une femme appelée Belshazzar. He said, "There is a man in this kingdom." A dit, il y a un homme dans ce royaume. Whom your father? Que ton père? Whom your father? Que ton père? Treasured, treasured. Portait dans son cœur. Because he carried the spirit of God. Parce qu'il portait l'esprit de Dieu. Sent for him. De la même façon. Sent for him. Il envoie-le. So envoie l'appeler. By the empowerment of the Holy Ghost. Par le revêtement du Saint-Esprit. Even while Daniel was away, même quand Daniel n'était pas là. The Spirit was announcing him. L'Esprit l'annonçait. Someone under the sound of my voice. Quelqu'un au son de ma voix. The Spirit will announce you to authority. Le Saint-Esprit t'annoncera aux autorités. The Spirit will announce you to authorities. Le Saint-Esprit t'annoncera aux autorités. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. I started first service by saying. J'ai commencé le premier service en disant. Genesis chapter 1. Genèse 1. Verse 1 says. Verset 1 dit. In the beginning. Au commencement. God created the heaven and the earth. Dieu créa le ciel et la terre. Verse 2. Verset 2. Verse 2. Verset 2. And the earth was without form. La terre était informe et vide. And darkness was upon the face of the deep. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. It discovered between creation. Entre la création. And this void. Et ce vide. A force came into being. Il y avait une force qui est arrivée. Called the force of darkness. Par la force des ténèbres. Immediately darkness came in. Immédiatement les ténèbres sont arrivées. Became void. Et tout est devenu vide. But the Spirit of God came in. Mais l'Esprit de Dieu est arrivé. Please put in that verse 2 before we go to 3. Verset 2 à nouveau. And verse 2. And the Spirit of God moved. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Upon the face of the water. Au-dessus des eaux. Verse 3. Verset 3. And God said. Et Dieu dit. Immediately the Spirit came into action. Dès que l'Esprit est entré en œuvre. Solution came for God. La solution est venue pour Dieu. Hallelujah. Amen. There was darkness. Il y avait les ténèbres. To frustrate the work of God. Pour frustrer l'œuvre de Dieu. There was a force moving with darkness. Il y avait ces ténèbres qui étaient là. To frustrate the work of God. Pour frustrer l'œuvre de Dieu. The moment the Spirit came in. Mais dès que l'Esprit est arrivé. God had a solution. Dieu a eu la solution. God said, et Dieu dit, let there be light. Que la lumière soit. I speak into your life. Je parle dans whatever ta vie. Whatever represents void and emptiness in your life. Peu importe ce qui représente by ta the vie. Force of the Holy Spirit. Par la force du Saint-Esprit. I proclaim light over your life. Je déclare la I lumière dans ta vie. I decree light over your life. Je décrète la lumière I dans ta vie. I declare light over Je your life. Je décrète la lumière dans ta in vie. In the name Au of Jesus. You cannot hold the Holy Spirit. Tu ne peux pas retenir le Saint-Esprit. John
chapter 3 verse 8. Jean 3, 8. John chapter 3 verse 8. Jean 3, 8. Jesus talking about the force of the Holy Spirit. Parlant de la force du Saint-Esprit. He said, the wind bloweth where it listeth. Le vent souffle où il veut. And thou hear the sound thereof. Et tu entends le bruit. But thou cannot tell where it cometh. Tu ne sais. Or whether he goes, ni où il va. So is everyone that il is born of the Spirit. De tout homme qui est né de l'Esprit. Sir, you are unstoppable. Monsieur, vous êtes unstoppable. Je dis que vous êtes unstoppable. By the force of the Holy Spirit. Par la force du Saint-Esprit. They can only read your back. Ils peuvent seulement voir votre they dos. They cannot read your future. Mais ils ne peuvent pas bloquer votre avenir. 1 Corinthians 2 verse 9. 1 Corinthians 2, 9. 1 Corinthians 2, 9. He said, eyes have not seen. L'œil n'a point vu. Ears have not heard. L'oreille n'a point entendu. Neither has he entered into the heart ce of man. Ce n'est point entré dans le cœur de l'homme. The thing God has ce prepared que Dieu for them a that love him. Pour ceux qu'il aime. Verse 10 says, et le verset but 10 dit, he has been revealed to us. Mais cela nous a été révélé. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. Only the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit. Can determine your pace. Peut déterminer votre place. No man can determine your pace. Aucun homme ne peut déterminer. No forces can determine your pace. Aucune force ne peut déterminer votre in place. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. That is why you need a helper. Voilà pourquoi vous avez besoin Jesus de l'aide. Jesus said, "I will not leave you comfortless." Et Jésus a dit, "Je ne vous laisserai pas I seul." I will not leave you without a helper. Je ne vous laisserai pas seul. No, let me tell you. Dieu vous a déjà dit. This life. Cette vie. Can only be determined by two forces. Est déterminé par deux processus. We only have two forces that are relevant. Nous avons deux forces qui sont qui comptent. The force of divinity. La force de la Trinité. The force of God. La force de Dieu. And your own force. Et votre propre force. The devil is not in the picture. Le diable n'est même pas sur scène. Hallelujah. The devil is not in the picture. Le diable n'est même pas sur scène. He said, "Resist the devil." Il dit résister au diable. And he will flee. Et il fuira. Hallelujah. Amen. The devil is not in the picture. Le diable n'est même pas concerné. I gave them illustration in first service. J'ai dit au premier service. Permit me to give you that same illustration. Je vais vous donner cette même illustration. Now, Joseph was loved by his father. Joseph était aimé par son père. Envied by his siblings. Et envié de ses frères. It was not actually the siblings that were envying him, the devil. C'était pas ses frères qui l'enviaient, mais plutôt le diable. He saw the role he's going to play. Il a vu le rôle qu'il allait jouer. He entered the siblings. Et il est entré to destroy him. Dans la manipulation de ses frères pour le détruire. At first, au début, he connived with them to sell him. Ils se sont mis ensemble pour le vendre. They made good money out of it. Et ils ont reçu de l'argent. Then he pushed him. Et on l'a mis. To be a slave. On l'a vendu comme esclave. The devil saw his glory again. Et le diable a encore vu sa gloire. He entered Potiphar's wife. Et il est entré dans la femme de. He said, "This man must not go to the palace." Et il a dit, cet homme ne doit pas aller au palais. Let him remain a glorified house help. Il faut qu'il reste un ouvrier. A glorified house help. Qu'il reste une bonne à tout faire. In spite of all the devil did. Mais malgré tout ce que le diable a fait. He said, "Okay, since he refused to compromise." Il a refusé de se compromettre. The devil pushed him to the prison. Et le diable l'a poussé en prison. From prison to palace. Et de la prison au palais. If you are in line with God, si vous êtes amoureux de Dieu, every step the devil take, tout pas que le diable pose, he push you to your next level. C'est juste, il est tout simplement en train de vous pousser pour le prochain niveau. Hallelujah. Amen. Look at the life of Daniel. Regardez la vie de Daniel. God was set to elevate him. Dieu était prêt à l'élever. The devil was envious. Et le diable était envieux. He entered the other men. Et il est entré dans la vie des autres hommes. And eventually, Daniel chapter 6. Daniel 6. He was eventually thrown into the prison. Et on l'a jeté en prison. Into the dungeon of the lion. Dans la fosse au lion. He came out enthroned. Et il est sorti de là intronisé. And all the devil's agents were destroyed. Et tous les agents du diable ont été détruits. So there are two forces. Donc il y a deux forces. That are responsible for where you are now. Qui sont responsables de là où vous êtes maintenant. Not the devil. Pas le diable. It is the room you give to the devil. C'est la place que vous donnez au diable. He occupies. Qu'il occupe.
Who are the forces? Quelles sont ses forces? God. Dieu. Now, what is God's desire for you? Maintenant, quel est le désir de Dieu pour God, vous? John 2. 3 Jean 2. Beloved, I wish you above all. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout. That you may prosper. Que tu prospères. And be in health. Et que tu sois en bonne santé. It also prospered. Comme prospère l'état de ton âme. Deuteronomy 28. Deutéronome 28. It shall come to pass. Il arrivera que. I will set you above all. Si tu obéis, je te donnerai la supériorité. In God's agenda for you. Dans l'agenda de Dieu pour vous. Above all. La supériorité. So it is not left for you. Donc il dépend de toi maintenant. What you do with the informations at your disposal. Ce que tu fais des informations à ta disposition. How you trade your life. Comment est-ce que tu gères ta vie? That determines where you are. C'est ce qui détermine là où tu es. So in the race of life. Donc dans la course de la vie. You are actually the determinant of where you are. C'est toi qui détermine là où tu es. Hallelujah. Amen. You actually want the determinant of where you are. C'est toi qui détermine là où tu es. The Holy Spirit is ever there to back you. Le Saint-Esprit est toujours là pour te soutenir. And to take you up. Et pour t'élever. That's why in last Sunday. C'est pourquoi dimanche dernier. We look at the spirit of revelation. Nous avons vu l'esprit de révélation. The spirit of revelation. L'esprit de révélation. Now, when you are driving in the day. Maintenant, quand vous conduisez. You can see far. Vous pouvez voir loin. Then you know you can increase your speed. Et vous savez que vous pouvez accélérer. But when you are driving at night. Mais quand vous conduisez la nuit. Your vision is limited. Votre vue est réduite. You cannot run beyond your vision. Vous ne pouvez pas rouler au-delà de votre vision. Am I correct? N'est-ce pas? So that is how the race of life is. C'est comme ça le voyage de la vie. So your revelation. Donc votre révélation determine the speed of your life. Va déterminer la vitesse de votre vie. Hallelujah. Amen. So that is why you need the spirit of revelation. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'esprit de révélation. So today we advance. Aujourd'hui, to the spirit of faith. Nous parlons de l'esprit de foi. The spirit of faith. L'esprit de foi. Hallelujah. Amen. The spirit of faith is a dominant force. L'esprit de foi est un esprit qui domine. It's not a dormant force. Ce n'est pas un esprit dormant. You can't silence the spirit of faith. On ne peut pas taire l'esprit de foi. You can't coerce the spirit of faith. On ne peut pas bloquer l'esprit de foi. You can't stop the spirit of faith. On ne peut pas arrêter l'esprit de foi. A man operating in the spirit of faith. Un homme qui opère dans l'esprit de foi. An unbeatable man in the affairs of life. Est un homme impitoyable dans les affaires de la vie. The spirit of faith. L'esprit de foi. Is the same spirit. Est le même esprit. All through the ages. Depuis les âges. The spirit of faith. L'esprit de foi. That moved Abraham. À qui a poussé Abraham? The Bible said, la Bible dit. When God said, "Go and sacrifice your only child." Quand Dieu a dit, va sacrifier ton Abraham fils unique. Abraham believed. Abraham cru. That God is able to raise. Que Dieu est capable. Back to life. De le ramener à la vie. The spirit of faith. C'est l'esprit de foi. Hallelujah. Amen. It's the same spirit of faith today. C'est le même esprit de foi aujourd'hui. 2 Corinthians 4:13. 2 Corinthiens 4:13. We have the same spirit of faith. Et comme nous avons le même esprit de foi. According as it's written. Qui est exprimé. I believe. Dans cette parole and de l'Écriture. Therefore have I spoken. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai we parlé. We also believe. Nous aussi nous croyons. And therefore speak. Et c'est pour cela que nous parlons. We also believe. Nous aussi nous croyons. And therefore speak. Et c'est pour cela que nous parlons. Talking about Abraham. Je parle d'Abraham. Calling the things that be not as though they were. Qui appelait les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. So the spirit of faith declare. Donc l'esprit de foi déclare. And heaven confirm. Et le ciel confirme. Hallelujah. Amen. So it is this spirit of faith. Donc c'est cet esprit de foi. That empower believers. Qui revêt de puissance le chrétien. To believe all things. Pour croire tout.
I was given illustration in first service. Je donnais cette illustration au premier service. That illustration will still be good for you now. Et cette illustration sera aussi bien pour vous maintenant. The spirit of faith. L'esprit de foi. We also believe. Nous aussi nous croyons. Therefore we speak. C'est pourquoi nous parlons. Okay, what do we believe? Nous croyons à quoi? Take Elijah for instance. Prenons Élie par exemple. 2 Kings chapter 1. 2 Rois 1. 2 Kings chapter 10, I beg your pardon. 2 Rois 10. 2 Kings chapter 1 verse 9. 2 Rois 1. 2 Kings chapter 1 verse 9. Verset 9. And the king asked them to go and bring Elijah. Il envoya vers lui un chef de 50 personnes chercher Élie. A very humiliating order. Un ordre très humiliant. A very deep dehumanizing order. Un ordre qui était très humiliant. And the 51 soldiers got there. Et c'était les soldats. This man of God, your own is too much. Cet homme de Dieu exagère. The king will put you to where you belong today. Le roi te mettra à ta place aujourd'hui. Oh, you man of God, come down. Et toi, homme de Dieu, descends. You know, we have the same spirit, is it not? Vous savez, nous avons le même esprit, n'est-ce pas? They spoke. We will also speak. Il parle, nous aussi nous parlons. Elijah said, okay. Élie dit, d'accord. If I be a man of God, si je suis un homme de let Dieu, fire come down. Que le feu descende. And fire came down. Et le feu est descendu. And consumed the 51 soldiers. Et a consumé les 50 soldats. Hear me. Écoutez-moi. If I be a man of God, si je suis un homme de Dieu, if I be a son of Oyedepo, si je suis fils any de Oyedepo, devil. Tout démon that is mocking your destiny, qui est sur that is destiné, sitting on your glory, qui est assis sur ta gloire. I command fire to consume them. J'ordonne que le feu les consume. I command fire to consume them. J'ordonne que le feu les consume. I be a man of God. Si je suis any un devil, tout démon tormenting your head, qui tourmente ta tormenting santé, your destiny, qui tourmente ta destinée. I command fire to consume them. J'ordonne qu'il soit consumé par le feu. We, nous, having the same spirit, ayant le même esprit de foi, faith, de foi, and we speak, nous parlons. That same 2 Kings chapter 2, 2 Rois 2, when you read the encounter of Elijah, quand vous lisez la rencontre on his return from taking the mantle from Elijah, quand il a reçu le bâton d'Élie, 42 children came out. 42 enfants and sont begin sortis. To mock him. Et ont commencé à se moquer de oh, lui. You bad head man. Oh, show. Oh, you bad head oh, man. Oh, show. And Elisha looked at them. Et Elisha les regarda. And he cursed them. Et il est maudit. Just two sheep here came out. Et deux ours sont sortis. And consumed the 42 of them. Et ils ont dévoré les 42 enfants. I look in the spirit realm to this morning. Je regarde dans l'oreille spirituelle ce matin. Any force that is mocking your destiny. Quiconque se moque de ta destinée. Operating in your father's house. Et qui opère dans la maison de ton père. Operating in your mother's house. Qui opère dans la maison de ta mère. Operating from where you marry. Qui opère de là où vous êtes mariés. In the sea. Qui opère dans l'eau. Operating in the grave. Qui opère dans wherever les tombes. Wherever the force is operating from, that is mocking your destiny. I command them curse this money. I declare them curse this money. I pronounce them curse this money. I place a curse on them this money. I place a curse on them this money. In the name of Jesus. We having the same spirit of faith. Ayant le même esprit de foi. And we speak. Nous parlons. They spoke. They spoke. Ils ont parlé. Then we speak. Et nous parlons. I gave you a testimony in the course of the week. J'ai donné un témoignage durant la semaine. A sister called me. Une sœur m'a appelé. And she said, pastor. Et elle a dit, pasteur. One of our leaders in our head office in Lagos. L'un de nos leaders dans notre quartier général à Lagos. Told me. M'a dit. That the list of men to be retrenched have been compiled.
que la liste de ceux qui vont être licenciés était compilée. Et pendant qu'elle était à Abuja, and he said, your name is there. Elle lui a, il lui a dit, ton nom he est said, dedans. Pastor, my name is on the list of the trench. Et il m'a dit, pasteur, mon nom est dans la liste des licenciés. We having the same spirit of faith. Nous ayons le même esprit de I foi. Said, I cancel that list. J'ai dit, j'annule cette I liste. Said, that list is canceled. Cette liste est annulée. I remove your name from that list. Et j'enlève ton nom de I cette said, liste. They have to compile a fresh list. J'ai dit qu'ils vont préparer une nouvelle liste. I said, your list shall be the list to be honored. Et ton nom sera dans la liste And des gens honorés. Said, amen. Et elle a dit amen. A week later, une semaine plus she tard, called me. Elle m'a appelé. I said, they have released the list. Elle a dit la liste est they sortie. Have removed my name. On a enlevé mon nom. Rather, they sent me a congratulating message. Mais on m'a envoyé une lettre de félicitations. For my job well done. Pour le bon And travail. I was given incentive. Somebody under the sound of my voice. Quelqu'un au son de ma voix. Whatever list that will depress you. Peu importe la liste qui va whatever vous. Whatever list that will compile. That will bring you down. I cancel that list now. J'annule cette 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 liste maintenant. I set up a new list of honor. Et je mets I set up a new list of congratulations. Dans la liste de félicitations. Oh, no, Prince de Jésus. In the mighty name of Jesus. The spirit of faith. L'esprit de foi. Don't accept negative for an answer. N'accepte pas non comme réponse. The spirit of faith. L'esprit de foi. Place a demand on God. Demande à Dieu. And heaven answer. Et mets des requêtes à Dieu et le ciel répond. Hallelujah. Amen. Elijah came up one day. Élie est venu un jour. He said, by my word, il a dit par ma parole. There shall be no rain again. Il n'y aura pas de pluie. He did say, thus says the Lord. Est-ce qu'il a dit ainsi par l'Éternel? He said, by my word, il a dit par ma parole. Rakato soto kataya, lekato batera takato seteba. And we have that same spirit of faith today. Et nous avons ce même esprit de foi aujourd'hui. We have that same spirit of faith today. Nous avons ce même esprit de foi aujourd'hui. The lion of Africa. Le lion d'Afrique. In blessed memory. Dans la mémoire. Papa Idahosa. Papa Idahosa. He said to the witch man. Il a dit au sorcier. He said, Jesus don't need to come. Jesus don't need to come. Jésus m'a dit de venir. That is why I'm here. C'est pourquoi je suis là. I canceled the meeting. Et j'annule la réunion. And it was canceled. Et cette réunion a été annulée. Hear me. I stand by that same spirit of faith. Et je me tiens par ce même esprit de foi. Every evil meeting. Toute chose. Evil gathering. Toute mauvaise to dehumanize you. Pour vous humilier. To relegate you. Pour vous reléguer. I cancel that meeting. J'annule cette réunion. I cancel that meeting. J'annule cette réunion. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So the spirit of faith. Donc l'esprit de foi. Is the spirit that keeps us in command in the affairs of life. Est l'esprit qui nous garde au contrôle des affaires de la It vie. It is the spirit of faith. C'est l'esprit de foi. That gives us our place in the space of life. Qui nous donne notre place. Dans la vie. I said the first service. J'ai dit au premier service. That the life we are living will not give you what you deserve. La vie que nous menons ne nous donnera pas ce qu'on veut. Life will only give you what you demand. La vie vous donne ce que vous demandez. What will be is not scriptural. Ce qui sera sera, ce n'est pas scripturel. Jesus said, whatever you bind on earth. Jésus a dit tout ce que tu lieras sur terre in heaven. Sera lié whatever au ciel. You lose on earth. Ce que tu Is loose in heaven. Sur terre sera délié There au is ciel. Nothing like what will be, sir. Il n'y a pas de qui sera sera. Are you with me? What you permit to be is what will be. Ce que tu autorises, c'est qui est. Whatever you bind on earth, tout ce que tu lis sur is terre, bind in heaven. Est lié au ciel. Whatever you lose on earth, et ce que tu délies is sur loose terre, in heaven. Est délié au ciel. I lose favor over your life. Je délie I lose favor over your life. Votre vie. I lose favor over your life. Dans votre
vie. I leave divine promotion over your life. Je délie la promotion divine. I lose divine lifting over your life. Je libère la promotion. I lose celebration over your life. Dans votre vie. I lose congratulation over your life. Je libère la félicitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Whatever we be, we not be. Ce qui sera ne sera pas. The stone Paul. Ils ont lapidé Paul. The stone and stone and stone. Ils l'ont lapidé. A mob stoned him to death. Et ils l'ont laissé pour mort. But Paul said, I'm not dying. Mais Paul a dit, je ne meurs pas. He said, I'm not dying. Il a dit, je ne meurs pas. I am not Stephen. Je suis un esprit. He saw glory. Et il a vu la gloire. He said, Father, accept my soul. Et pardon, Stéphane a vu la gloire et il a dit, Père, accepte mon âme, reçois mon âme. When he came to Paul, mais quand c'était le tour de Paul, said, I'm seeing the glory. Il a dit, je vois la gloire. If I go, it'll be better for me. Si je pars, ça peut être mieux But pour moi. I still have some spiritual deposits. Mais j'ai encore des dépôts spirituels I need to transfer over que you. Je dois transférer sur vous. So he said, it is good for me to still remain now. Mais il a dit, c'est mieux pour vous Let me que release je reste some goods into you. Pour que je libère ces dons. Alléluia. Amen. There is nothing like whatever we be, we be. Il n'y a pas de qui sera, sera. You are the one that you declare it and it will be. C'est vous qui allez déclarer ce qui sera. He said, declare. Il dit déclare. That you may be justified. Afin que tu sois justifié. I see heaven justifying you. Je vois le ciel vous justifier. I see glory flowing for you. Je vois la gloire descendre sur vous. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. The spirit of faith. L'esprit de foi. What empower us. Nous rêvons de puissance. To believe everything. Pour croire tout. Apostle Paul, as I made reference to, just take this scripture down. L'apôtre Paul, nous allons prendre cette écriture. Acts 24, verse 14. Acte 24, 14. Say, I believe everything. Je crois tout. Written in the law and the prophets. Je crois à la loi et aux prophètes. And Acts chapter 14. Et Acte 14. Verse 19 to 20. Verset 19 à 20. They stoned him to death. On l'a lapidé à mort. He jumped up. Et il s'est relevé. And said, I'm above death. Il a dit, je suis au-dessus de la mort. Philippiens chapter 1. Philippiens 1. 23 to 25. 23 à 25. He said, I'm between two opinions. Je suis entre deux avis. Whether to go to heaven and relax. Si je dois aller au ciel me reposer. Or to remain here. Ou si je dois rester ici. So, but I choose to remain here. Mais je choisis de rester. So that I can still impact you. Afin que je puisse vous impacter. So the spirit of faith. Donc l'esprit de foi. Is key to victory over the battles of life. Est la clé pour la victoire sur les batailles de la vie. Is key to victory. Est la clé de la victoire. Over the battles of life. Sur les batailles de la vie. Now hear the book of faith. Maintenant écoutez le livre de la foi. Hebrews chapter 11. Hébreux 11. Verse 33 to 34. 33 à 34. Say who through faith. Qui par la foi. Subdue kingdoms. Vainquir des royaumes. No, when you read from verse 1, you see he talk about Samson. Vous voyez quand on lit à partir du verset 1, on parle de Samson. I call him one man squad. On parle de un homme. Just guerre one, d'un homme. Just one man. Juste un homme. Brought the nation of Philistines to their heel. A incliné toute une nation. He brought it to their knee. Il a mis le pays à genoux. One man, one man, one un man. Homme, un homme. Even when they took off his eye. Les gens, même quand on lui a arraché les yeux. He said, God. Il a dit, Seigneur. Have mercy on me. Aie pitié de moi. For this one last chance. À cause de cette dernière chance. And the Bible said. Et la Bible dit. The people he killed at his death. Les gens qu'il a tués à sa mort dépassaient les gens qu'il avait tués okay, de son when he was alive, quand il était vivant. At one time, une fois, he killed 3,000 men. Il a tué 3,000 hommes. Just only one man. Juste un homme. Brought a liberation to the children of Israel. A emmené la libération des enfants d'Israël. The spirit of faith. Par l'esprit de foi. They subdued kingdoms. Ils ont assujetti des royaumes. Any kingdom or kingdoms. Tout royaume. Challenging your glory. Qui défie ta gloire. I command that kingdom to go down for you. J'ordonne que ce royaume tombe pour toi. They subdued kingdoms. Ils ont assujetti des royaumes. Wrought righteousness. Et ils opérèrent la justice. Obtain promise. Observe des promesses. Stop the mouth of lions. Fermèrent la gueule des lions. Daniel chapter 6.
Daniel 6. Through the spirit of faith. Par l'esprit de foi. Daniel knew that he was going to come out of the lion's den. Daniel savait qu'il sortirait de la fosse au lion. C'est clair? He knew he was going to come out of the lion's den. Il savait qu'il sortirait de la fosse au lion. Then I was reading that Daniel chapter 6. Et quand je lisais ce Daniel 6, and the Lord showed to me. L'Éternel m'a montré. Where the king? Là où le roi had sleepless nights. Avait une nuit blanche. Because he wanted to help Daniel. Parce qu'il voulait aider Daniel. Sa vain is the help of man. Vaine est l'aide de l'homme. Except the Lord help you. À moins que l'Éternel ne t'aide. The whole king wanted to help Daniel. Voilà tout. T'étais. All his effort was in vain. Tous ses efforts étaient vains. Except the Lord build the house. À moins que l'Éternel ne bâtisse une maison. They labor in vain. Ceux qui bâtissent travaillent. Except the Lord approve. À moins que l'Éternel approuve. Any man that approve in vain. Tous ceux qui approuvent en vain. So you see. Vous voyez. Why it is just you. And God, c'est juste vous et that Dieu are the determinant of where you are going, qui détermine là où tu vas and where you are now. Et là où tu es maintenant. Hallelujah. Amen. For that God, you think you have a Godfather. For that Godfather to walk, you know that it is God the Father behind it. Et à moins que pour que ce parrain marche, vous savez, certains ont des parrains, mais il faut que Dieu soit dans ce parrain. They quench the violence of fire. Ils éteignirent le feu. Escape the edge of the sword. Et ils échappèrent à l'épée. Out of weakness we are made strong. Guérir de leur maladie. When I was living for Zambia. Quand je partais de Zambie pour la Zambie. And I asked God. J'ai demandé à Dieu. What are you telling me to go and do in the nation of Zambia? Qu'est-ce que je vais faire en Zambie? He said, "Go in this dynamite." Il a dit, va dans cette force. Judges chapter 6. Juges 6. Verse 14. Verset 14. Go in this dynamite. Va avec cette force. And I went to the nation of Zambia. Et je suis allé en Zambie. One of the day. Et un jour. I went out. Je suis sorti. As I return. Et à mon retour. I met my secretary. J'ai trouvé ma secrétaire. Shaking. Qui paniquait. I said, "Why are you shaking?" J'ai dit, c'est quoi? He said. My auntie that work in one of the hospital just gave me information now. Ma tante qui travaille dans à l'hôpital m'a donné une information. What was the information? C'est quoi l'information? They gathered in their central coven. Ils se sont rassemblés. And they said, it is too much for this small boy. Et il a dit c'est trop pour it's ce garçon. So much catastrophe in their kingdom. Il cause des catastrophes dans leur royaume. They sent one man in human flesh. Et ils ont envoyé un homme to come and size me, to see how I look. Pour venir me voir, pour me peser, voir à quoi je ressemble. And the man came to the office. Et il est venu au bureau. They told him I went out. Et on lui a dit que je suis sorti. I don't know how long you take me to come. Et on ne sait pas quand je vais revenir. I don't know whatever he did there. Je ne sais pas ce qu'il a fait. As he stepped out of my office. Dès qu'il est sorti de mon bureau. As he got to the road. Il est arrivé à la route. He fell down. Il est tombé. And began to vomit blood. Et il a commencé à vomir le sang. Then a reverend father came. Et un père est arrivé. And met somebody vomiting blood. Et a vu qu'il était en train de vomir le sang. And asked the man, what is the issue? Et il lui a dit, c'est quoi le problème? Took him to the hospital. Il l'a emmené à l'hôpital. It was there he started confessing where he went. Et c'est là où il allait confesser pour dire où il, d'où il venait. So my secretary. And he was among the people that were attending to him. Et la tante de ma secrétaire faisait partie du personnel qui when le recevait. When he started confessing the mission he came for. Quand il a commencé à confesser sa mission. And I told my secretary. J'ai dit à ma secrétaire. He came in search of me. Il est venu me chercher. And he didn't see me. Et il ne m'a pas vu. He started vomiting blood. Et il a commencé à vomir what le sang. What if he now see me? Et s'il m'avait vu? He will vomit his intestines. Il allait vomir ses intestins. Hallelujah. Amen. Because he said, go in this mind. Parce qu'il a dit, va avec cette force. And I went in that mind. Et je suis allé avec cette force. That's why a year later, he said, okay, now come back to Gabon. Et après, il m'a dit de venir au Gabon. And I said, what are you saying, Lord? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu dis? He said, third day supernatural. Okay, wait. As I left there, I went to Abuja. Quand je suis parti de là, je suis allé à Abuja. And I asked God.
Et j'ai demandé à Dieu. Okay, what are you saying as you are sending me to Abuja? Qu'est-ce que tu dis là où je pars à Abuja? He said, in this might, il a dit dans cette force, advance them. Fais-les avancer. And I went there. Et je suis arrivé là-bas. For 11 months. 11 mois. Someone said, quelqu'un a dit, he said, I have been advanced. J'ai été avancé. 10 times where I was. J'ai été avancé 10 fois. He said, sir, you are taking me 10 years fast forward. Il dit, tu m'as fait avancer de 10 ans. And as I was coming to this place, et en venant ici, I said, okay, Lord, what are you saying? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? He said, take this supernatural shift. Il a dit, dis-leur, avancement surnaturel. Any devil, tout démon, who is out there to stop your advancement, qui est sorti to stop your supernatural shift, ton I command that devil to go down. J'ordonne I command that devil to go down. 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 On the prince of the Jesus. In the mighty name of Jesus. Faith shall continue to be under increasing attack. Le peuple va continuer à être sous attaque. Because the devil knows. Parce que le diable sait. It is your key for dominion. Que c'est votre clé de la domination. It is your key for dominion. La clé de la domination. La foi va continuer à être attaquée parce que le diable sait que c'est la clé de la domination. That's why Luke chapter 18 verse 8. Luc 18, 8. Jesus speaking here. Jésus parlant. I tell you that he will avenge them speedily. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. God is our avenger. Dieu est notre vengeur. Any devil after your life? Tout démon qui en a après ta vie. There is a speedy vengeance in their camp now. There is a speedy vengeance in their camp now. Il y a une vengeance propre dans leur camp maintenant. Nevertheless, cependant, when the Son of Man cometh, quand le Fils de l'homme viendra, shall he find faith on the earth? Trouvera-t-il la foi sur terre? I will keep singing it to you. Et je vais continuer à vous le chanter. How I came here. Comment je suis venu so ici? So the devil cannot rob you. Afin que le diable ne vous vole pas. I am not administrative pastor. Je ne suis pas un pasteur administratif. I am a bona fide son of the prophet. Je suis le vrai fils du prophète. Carrying the prophet DNA. Et j'ai l'ADN du prophète. Whatever answer for Elijah was duplicated in Elisha. Tout ce qui répondait à Élie était répliqué dans la vie d'Élisée. I am here to duplicate the Elijah order of testimony here. Je suis là pour répliquer l'ordre d'Élisée de témoignage. I told in the course of the week. Et je suis venu. We are in the era now. Et je vous le dis, nous sommes dans cette ère maintenant. They say he's a winner. On dit, c'est un vainqueur. Please leave them alone. We don't want their trouble. Ah, laissez-les, on ne veut pas leurs problèmes. In the physical. Physique. They say he's a winner. Il y a un vainqueur. Leave them alone. We don't want their trouble. Laisse-le tranquille, on ne veut pas les problèmes. In the spiritual. Dans le spirituel. He's a winner. C'est un vainqueur. Leave them alone. We don't want their trouble. Laisse-le, je ne veux pas de problèmes. So to quench the end time storm. Donc pour arrêter la tempête du temps de la fin. It requires not just faith but the spirit of faith, strong faith. Il faut non seulement la foi mais une grande foi. Strong faith. Une grande foi. Matthew chapter 8, 26 to 28. Matthieu 8, 26 à 28. Jesus said, oh, you men of little faith. Jésus dit, vous hommes de peu de foi. And he rebuked the storm. Et il menaça la tempête. And everywhere was calm. Et tout était calme. What
Whatever is troubling your life, tout ce qui trouble votre whatever vie, whatever is troubling your destiny, tout ce qui trouble votre destinée, I rebuke that devil now. Je réprimande ce démon maintenant. I rebuke that devil now. Je réprimande ce démon maintenant. Every planting of the devil, toute attaque planted in your system, qui a été planté dans ton I système, I command that planting to die now. J'ordonne que cette chose meure maintenant. Planting of barrenness die. Cette stérilité qu'il a plantée meurt maintenant. Planting of cancer die. Ce cancer meurt maintenant. Planting of terminal diseases die. Ces maladies incurables meurent maintenant. Jesus said, Jésus a dit, whatever my heavenly Father has not planted, tout ce que mon Père céleste n'a pas planté shall be rooted out. Sera déraciné. So whatever is oppressing your life, tout ce qui oppresse ta vie, call it medical name or no name, que ce soit médical ou I pas de nom, I command it rooted out now. J'ordonne que ces choses vous libèrent maintenant. Ces choses vous libèrent maintenant. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Let's round up by understanding this. We can only quench the fiery darts of the devil through the shield of the spirit of faith. Nous pouvons toujours éteindre tous les traits enflammés du diable par le bouclier de la foi. Daniel chapter 3 verse 14 to 28. Daniel 3, 14 à 28. In spite of the threat and the wide mouth of Nebuchadnezzar, malgré les menaces et la grande gueule de Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach and Abednego's faith remained intact. Shadrach, Meshach et Abednego, leur foi est restée intacte. That is the spirit of faith. C'est ça l'esprit de foi. Ephesians 6:6. It says, above all, par-dessus tout, taking the shield of faith, prenez le bouclier de la foi, where you will quench all the fiery avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Where they send you negative reports, quand on vous donne un rapport say négatif, it is not so. Dis, c'est pas pour whatever moi. Whatever is not so from the beginning, ce qui n'était pas ainsi au commencement, I have no capacity, legal right to stand, n'a pas de capacité ou de droit légal à rester. I shout to you what is so from the beginning, ce qui était ainsi au commencement. Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Genèse 1 27 et 28. God bless them. Et Dieu les bénit. God said be fruitful. Et Dieu dit soyez féconds. Anything short of blessing, tout ce qui est au-delà des bénédictions ne vient pas de Dieu. It's not God. C'est pas Dieu. So whatever represents curse, tout ce qui représente la malédiction, generational curse, la malédiction générationnelle, diabolical curse, des malédictions diaboliques, today, aujourd'hui, I erase them off your life. Je les efface de ta vie. I erase them off your family. Je les efface de ta famille. I erase them off your destiny. Je les efface de ta destinée. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Because curses are real. Les malédictions sont réelles. The good news is, la bonne nouvelle, all curses are reversible. Toutes les malédictions sont réversibles. Whether generational, que ce soit générationnel, whether diabolical, que ce soit diabolique, even the ones you went to buy ignorantly, même ceux que vous êtes allés chercher par ignorance. You know, when you go against the will of God, vous savez quand vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu, you are buying a curse. Vous êtes en train de vous attirer une malédiction. The station I'm coming from, God moved me. I was teaching on going to a satanic supermarket to shop. Là où d'où je reviens, Dieu m'a dit que j'allais faire des courses dans des magasins sataniques. And one pastor shared testimony of a man that went to a satanic supermarket to shop. Et un pasteur a partagé le témoignage d'un homme qui allait acheter des choses dans un magasin satanique. There are so many items in satanic supermarket. Il y a beaucoup de magasins sataniques. But one of the things in shop. Mais l'une des choses qu'il a acheté, he shopped with a pretty lady. Il a acheté une belle femme. After shopping with that pretty lady, après avoir fait les courses avec cette belle a lecturer femme, with a PhD holder. Et ce monsieur qui avait un doctorat, from that day forward, à compter de ce jour, he bought the spirit of epilepsy. Il a acheté l'esprit d'épilepsie. And for 15 years, et pendant 15 ans, he was just enjoying the product. Il jouissait de son produit. Until a day like this came, jusqu'à ce qu'un jour comme celui-là arrive, bam, bam,
Bam. And the thing left. C'est parti. Whatever product you have ignorantly gone to satanic market to buy. Peu importe le produit que vous êtes allé acheter vous-même dans un magasin satanique. I stand by the mercies of God today. Je me tiens par la miséricorde de Dieu aujourd'hui. I decree that cause reverse. Et je déclare I la rédemption de cette malédiction. I decree that cause reverse. L'annulation de cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Any generational curse. Toute malédiction générationnelle. Galatians chapter 3 verse 13 to 15. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Being made a curse for us. En devenant malédiction so pour any nous. Any generational curse that be ravaging your life. Peu importe la malédiction générationnelle qui ravage votre famille, qui ravage votre destinée, qui ravage votre lignée, today, aujourd'hui, by the blood of Jesus Christ, par le sang de Jésus-Christ, cette malédiction est annulée. That cause is reversed. Cette malédiction est annulée. What a diabolical cause. Diabolical cause. La malédiction diabolique. Balak asked Balaam, please come and place a curse for them. On a demandé à Balak. Balak a demandé à Balaam de venir maudire. Proverbe 26, verse 2. Proverbe 26, 2. A causeless cause. Une malédiction sans cause shall not stand. N'a pas d'effet. I stand by the verdict of heaven. Et je me tiens sur le verdict du ciel. Cause, toute malédiction diabolique. Ravaging your family. Qui ravage ta famille. Ravaging your career. Qui ravage ta carrière. Ravaging your business. Qui ravage tes ravaging affaires. Ravaging your children. Qui ravage tes enfants. I declare the reverse. Je les I declare the reverse. Je les déclare annulés. I declare the reverse. Je les déclare annulés. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Rise on your feet this morning. Levez-vous ce matin. And begin to declare. Et commencez à déclarer. The only way to remain dominion over curse. La seule façon d'avoir la domination sur la malédiction. Keep serving the Lord. C'est de continuer à servir Say, l'Éternel. Abba Father. Dis Abba Père. From today. À partir d'aujourd'hui. I walk in dominion. Je marche dans la domination. Over any form of curse. Sur toute forme de no malédiction. No more curse in my life. Plus de malédiction no dans ma vie. No more curse in my family. Plus de malédiction dans no ma famille. No more curse in my destiny. Plus de malédiction dans ma no destinée. No more curse in my lineage. Plus de malédiction dans ma lignée. Abba Father. Abba Père. Whatever curse. Toute malédiction. Generational curse. Malédiction diabolical curse. Malédiction diabolique. Satanic curse. Malédiction satanique. That may have come upon my life. Qui est dans ma vie. Today. Aujourd'hui. By the blood of Jesus Christ. Par le sang de Jésus. I reverse it. Je l'annule. I walk in dominion. Je marche dans la domination. I walk in dominion. Je marche dans la domination. Over any form of curse. Sur toute forme de malédiction. I walk in dominion. Je marche dans la domination. Over any form of curse. Sur toute forme de malédiction. I walk in dominion. Je marche dans la domination. Over any form of curse. Sur toute forme de malédiction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. No more curse in my life. Plus de malédiction no dans more ma vie. Curse in my family. Plus de malédiction dans no ma more curse on my path. Plus de malédiction no more sur curse mon in my destiny. Plus de malédiction. I overcome curse today. Je les renverse aujourd'hui. I overcome curse today. Je les renverse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. I overcome curse today. Je les renverse aujourd'hui. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' most glorious name, we Au have prayed. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Obadiah 17. Abdias 17. Upon Mount Zion. À la montagne de Sion. There shall be deliverance. Il y aura la délivrance. Everyone under the sound of my voice. Toute personne au son de ma voix. You are delivered. Vous êtes délivré. From any form of curse. De toute malédiction. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. The next thing is holiness. La prochaine chose c'est la sainteté. You are clothed with garment of holiness. Et vous êtes revêtu de vêtements de sainteté. And God people possess their possession. Et vous posséderez vos possessions. Your possession will locate you. Vos possessions vous localiseront. In Jesus name. Au nom de Jésus. Before we take the holy communion. Avant de prendre la communion. You are here. Vous êtes là. Upon Mount Zion. À la montagne de Sion. There must be deliverance first. Il doit y avoir la délivrance d'abord. Before you can possess your possession. Avant de posséder vos possessions. You know you are not delivered. Vous savez que vous n'êtes pas délivré. You always see yourself falling to satanic
activities. Vous vous retrouvez toujours dans les activités sataniques. You need deliverance. Vous avez besoin de délivrance. To be free from any activities of hell. Pour vous libérer de toute activité d'enfer. You need to receive Jesus into your life. Vous devez recevoir Jésus dans votre that vie. That is the first step now. C'est le premier, la première Before étape you take maintenant. Your inheritance of the Holy Communion. Avant de recevoir l'héritage par la Sainte Communion. If you are that brother, you are that sister. Tu es ce frère, cette sœur. I need deliverance. J'ai besoin de délivrance. I can't remain like this. Je ne peux pas rester comme Can ça. You lift your hand above your head? Est-ce que tu peux lever ta main au-dessus the Lord de bless ta tête? You. I need deliverance. Seigneur, I need j'ai to besoin connect de to délivrance. Jesus Christ. I need a connection to Jesus. God bless J'ai you. J'ai besoin de la lift connexion. It above your head. Lift the lève hand above main, your head. Lève ta main. The Lord bless you. The Lord bless you. Que l'Éternel te the Lord bénisse. Bless you. The Lord bless que you. L'Éternel te Now bénisse. Leave your seat and come here. Maintenant, venez. Come over to this place. Venez devant. Just celebrate them as they're coming out. God bless you. Célébrez-les pendant leave your seat. Avant. Come over. Come over. Venez rapidement come devant. Over. I need deliverance. Vous avez besoin de délivrance. Very important. I need vous deliverance. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Please come over. Devant. Come over. Come over. Venez, venez. Come to the altar. Venez vers l'autel. That power of sin. La puissance your life bond. They are breaking now. Qui now, now. Ta vie. Come over to the altar. The Lord bless you. Leave your seat. Leave your seat. Que l'Éternel te bénisse. I need deliverance. J'ai besoin de you deliverance. Have to be delivered first. Tu dois être délivré. You have d'abord. To be registered in the family of God. Tu dois être inscrit dans before la famille de Dieu. You can take your possession. Avant de prendre just ta leave possession. Your seat. Come over. Come over. Come over to the altar. Venez, venez devant. Come over to the altar. Venez devant. You don't need to waste time. Nous come over to the altar. De perdre le temps. You know yourself now. Vous vous connaissez. I can't continue like this. Je ne peux pas continuer I comme need ça. Jesus in my life. J'ai besoin de Jésus I dans ma need vie. Jesus in my life. J'ai besoin de Jésus I dans need ma to vie. Rededicate my life. J'ai besoin de I need deliverance today. J'ai besoin de la today, délivrance today, today. Aujourd'hui. I want to enter my inheritance. Je veux leave your seat. Come over. Come over. Venez devant. Come over. Faites ça leave your seat and come over. Laissez votre place. Come over. Come over. Venez, venez. Leave your seat. Leave your seat, come over. Laissez votre place. Heaven venez. Is waiting for you. Le ciel vous there attend. Must be a deliverance first. There must be a deliverance first. Il doit y avoir délivrance before d'abord. You can possess c'est your possession. Première étape. There must be a deliverance first. Il faut qu'il before you can live a victorious life. Avant de mener une vie there must be a deliverance first. Il faut la délivrance. Before the power of faith can work for avant you. Que la puissance de la leave foi your seat. Come over. Come over. Come over. Venez devant, venez don't be the last person to come. Ne soyez pas run la out of your seat venue. There. Don't venez allow rapidement. The devil to hold you bound. Venez en courant, ne laissez pas don't le diable allow vous retenir. The devil to hold you bound. Ne laissez pas le diable vous retenir. Come out. Venez. Surrender it to Jesus. Venez donner votre vie à Jésus. Surrender it to Jesus. Venez donner votre vie surrender à Jésus. Surrender it to Jesus. Donnez votre vie à Jésus. Come over, come over, come over. Venez, venez, venez. Jesus is waiting for you. Jésus vous attend. Jesus is waiting for you. Jésus vous attend. He need to receive you into his kingdom today. Vous devez le recevoir. Il veut vous recevoir dans Satan son royaume. Satan need to lose his hold over your life today. Satan doit lâcher prise dans votre the vie. The saints are celebrating you. Les saints heaven vous is célèbre. Celebrating you. Le ciel vous célèbre. If you are still the one standing there, leave your seat and come over. C'est vous qui êtes encore leave là-bas. Your seat as you come over. Place et venez. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus Christ. Merci, Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Put your right hand on your chest. Mettez la main droite sur votre poitrine. As you repeat this prayer after et me. Répétez cette prière après moi. Say, Father. Dis Père. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. I acknowledge I am a sinner. Je reconnais que je suis un pécheur. I need deliverance. J'ai besoin de délivrance. I cannot help myself. Je ne peux pas m'aider moi-même. Jesus Christ. Jésus-Christ. I acknowledge you died for me. Je reconnais que tu es mort pour moi. You shed your blood for me. Et tu as versé ton sang pour moi. And you resurrected for me. Et tu es ressuscité pour moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Cleanse me. Lave-moi. From every form of sin. De toute forme de péché. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de vie. Thank you, Jesus Christ. Merci Jésus-Christ. For forgiving me my sin. De me pardonner mes péchés. From today. À partir d'aujourd'hui. I am born again. Je suis né de nouveau. I am saved. Je suis sauvé. I am delivered. Je suis délivré. To serve the living God. Pour servir le Dieu vivant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For accepting me. De m'accepter. In Jesus name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. We commit these ones in your hands. Nous les remettons entre tes mains. The grace upon my father Oyedepo. La grâce dans la vie de mon père David Oyedepo. Let it rest upon these ones. Que cette grâce repose dans leur they will not vie. Fall back again. Ils ne repartiront pas. They will keep pressing on for you. Ils vont continuer à avancer. In Jesus precious name. Au nom précieux de Jésus. And amen. Amen. Congratulations. Félicitations. You are blessed. Vous êtes bénis. Follow the kingdom friends.
Suivez les amis du royaume pour plus d'informations. Alléluia. Amen. Now, the next 2 minutes. Dans les deux prochaines minutes. This is what we are taking from this holy communion table. Voici ce que nous allons prendre de cette table de communion. The blood and the body of Jesus Christ. Nous allons prendre le sang et le corps de Jésus-Christ. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Being made a curse for us. En devenant malédiction pour nous. That Abrahamic blessing might come upon us. Afin que les bénédictions abrahamiques descendent sur nous. Abba Father. Dites Abba Père. By this holy communion table. Dans cette sainte communion. I take my Abrahamic blessing. Je prends mes bénédictions abrahamiques. Declare it over your life. Déclare cela dans declare ta vie. Declare it over your family. Déclare cela dans la declare vie de ta famille. Declare it over your career. Déclare sur ta carrière. Declare it over your business. Déclare sur tes affaires. Declare it over your studies. Déclare sur ta famille. Abrahamic order of blessing. La bénédiction d'Abraham. By the name of Jesus. Père, by this holy communion table. De cette table I take delivery from Abrahamic order of blessing. Je prends ma bénédiction Abrahamic. Ma bénédiction I declare it over my life. Je déclare cela I declare dans ma it vie. Over my ministry. Je déclare cela dans I mon declare ministère. It over my children. Je déclare sur mes I enfants. I declare it over my je wife. Je déclare sur ma I declare famille. It over my ministry. Sur mon ministère. I declare it over the flocks you put in my care. Je déclare sur les œuvres de thank ma mère. You, Father. Merci, Père. In Jesus' most glorious name, we are praying. Au nom victorieux de Jésus, nous avons the table prié. Is declared blessed. La table est déclarée bénie. Is declared satisfied. Est déclarée sanctifiée. In the name of God the Father. Au nom de Dieu le Père. And of the Son. Le Fils. And of the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit. By this holy communion table. Par cette sainte communion. Whatever is missing in you. Tout ce qui manque en vous. Concerning Abrahamic blessing. Au sujet de la bénédiction Abrahamic. They are speedily delivered now. Est délivré rapidement as maintenant. As you go. En partant. You will return with your testimony. Vous reviendrez avec votre in Jesus' name. Au nom de Jésus. Please have your seat. Asseyez-vous. After partaking, après avoir pris la communion, you jump up and celebrate your victory. Levez-vous et célébrez votre victoire. Alléluia. Me boue massa. Oh, me boue massa.